Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez me suivre donc dans un samedi classique chez moi quand je travaille de soir. Donc du coup là on voit que j'ai fait la petite gourmande. J'ai pris un petit déjeuner sucré parce que j'en avais envie et comme je suis en période de ragnagna, j'ai trop faim. Donc du coup, je prends mon petit déjeuner. On voit que Lukman nous a rejoint, hein, ce petit gourmand, ce très très gros gourmand. Donc du coup, je lui ai donné des petits morceaux pour qu'il puisse goûter. Donc là, je commence à planifier mes menus. Donc là, on voit que j'ai une feuille où j'avais mis des idées de repas que j'avais. Je vais ouvrir mon calendrier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire mes menus au mois. Je vais les faire pour les 2 semaines à venir. Du coup, hein, comme dans tout, je prends des inspirations à gauche et à droite, donc sur différents sites internet, sur Pinterest, où là, je vais essayer de prendre le maximum d'informations, d'idées repas qui puisse plaire donc du coup à nous trois parce que Lukman ne fait pas partie des repas qu'on mange comme il n'a qu'une seule dent. Donc du coup là je vais planifier mes menus sur 2 semaines et je vais utiliser mon cahier que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On voit que là j'ai mis qu'un seul repas par jour, donc ce que je vais faire c'est que je mets un repas par jour qui va nous faire le repas du midi et le repas du lendemain, et en fait le soir je vais préparer le repas du lendemain. Donc en gros les tacos on va le manger lundi soir et mardi midi, et mardi j'ai un autre repas qu'on va manger donc mardi soir et mercredi midi et vice versa pour continuer, parce que deux repas c'est trop compliqué, surtout que moi j'ai des horaires du soir donc c'est assez compliqué. Et ce que je vais faire c'est que je vais tout retranscrire dans mon cahier pour être très organisée. Donc on voit que là je suis très concentrée et que c'est très très important franchement dans la perte de poids. Ce qui est le plus important, c'est vraiment l'organisation. Quand vous faites des menus, quand vous faites votre liste de courses, quand vous vous organisez, vous avez moins de chances d'acheter tout ce qui est à côté, tous les gâteaux, les cochonneries et autres. Vous allez être moins tenté en magasin et surtout, vous n'allez pas gaspiller. Parce que c'est sûr et certain que quand on achète, on achète, on achète et qu'on ne planifie pas ses menus, il y a toujours, toujours des ingrédients qu'on oublie dans le frigo et que malheureusement, on jette. Et franchement, pour un contrôle de budget, faire ses menus, c'est aussi un gain d'argent. Je vous assure que c'est un gain d'argent. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais regrouper donc mes deux listes de courses qui ont été faites pour la semaine sur une grande et même liste pour l'emmener avec moi. Parce que ce qu'il y a dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas enlever les pages, elles sont attachées et je ne peux pas prendre le livre avec moi en magasin, quoi. Donc, je mets tout sur une liste de courses. Je catégorise cette liste, donc produits frais, produits secs, produits d'entretien et autres. Et je vais voir ce que j'ai dans mes placards. Today I just wanna complain. It takes a whole damn hour to afford 2 gallons, and I'm not doing enough. Another day, another challenge. I woke up one day and the world was cold. Feel like I'm way too young to feel this old. I got a hole in my heart, it keeps getting bigger, so I'll try to fill it up. I root them in my liver. I'm a poster child, millennial. Feel like I'm way too young to feel this old. Donc comme dit là, je suis dans ma cuisine et ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé dans mon congélateur ce que j'avais, parce que faut vraiment que je liquide ce que j'ai dans mon congélateur. On voit que je fais la belle, mais arrête de danser et occupe-toi de ta liste. Et je vais regarder ce que j'ai dans mes placards surtout. Donc il y avait des choses que j'avais comme des œufs, le beurre, enfin voilà, les aliments de base. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé, je crois, le saumon par des crevettes parce que j'en avais dans mon congélateur et je voulais pas en racheter.
Donc du coup, je regarde tout. Donc je regarde mes conserves. Vraiment, faut vraiment regarder quand vous faites les courses que vous avez pour pas acheter en doublon et surtout pas ne pas gaspiller. Parce que ça, c'est l'objectif 2022. Faut qu'on arrête de gaspiller la nourriture. Franchement, ça, c'est mon objectif premier. Enough credit. My friends, I'm broken. I've tried and I can't stop smoking. My fears are growing and my learning curve is slowing. I got no friends and I'm broken. I'm broken. It takes a whole damn hour to afford 2 gallons and I'm not doing enough. Another day, another challenge. I woke up one day and the world was cold. Felt like I'm way too young. This old, I got a hole in my heart that keeps getting bigger, so I'll try to fill it up. I root and in my liver, I'm a poster child millennio. Feel like I'm way too young to fill this old. On se retrouve là, on arrête la voix off parce que c'était un peu compliqué de filmer et de parler en même temps, donc je préfère filmer et vous expliquer. Et là, comme on est à la maison, je vous fais le retour de course. Donc du coup là j'ai ce que j'ai acheté à Auchan, j'en ai eu pour 66€ exactement, et en fait c'est mes courses pour 2 semaines, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc là on voit, il y a des capricornes, donc ça c'est pour les goûters de Malik. On a des oranges, on a les pots de Bookman. Ça, c'est à la boucherie, mais ça, je vous en parlerai après. On a du pain de mie que j'ai acheté. Donc, Malik, il aime bien prendre du pain de mie avec du Nutella. Donc, je l'ai pris. Et en même temps, j'avais prévu des croque-monsieur. Donc, comme ça, ça fait les deux choses à la fois. Du 4 quarts. Parce que monsieur en raffole ces jours-ci, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a pris du 4 quarts. Hop, je vais ranger comme ça. Là, pour nous, on s'est pris des yaourts grecs.
Donc là, on a à la vanille et à la fraise pour les adultes, donc pour monsieur et moi-même. Et pour Malik, moi, je lui ai pris cela parce qu'il aime pas trop les yaourts au citron, donc on a pris cela. Donc là, vous l'avez vu dans la vidéo, il a voulu tester la marque au champ pour le riz qu'on met au frigo, le riz qu'on met au micro-ondes. Donc du coup, il a pris deux provençales, donc c'est sauce tomate, huile d'olive, il n'y a rien de plus simple, et un nature où il rajoutera sa propre sauce. Donc il voulait prendre plus, mais je lui ai dit de tester, de voir si ça lui plaisait, et ensuite après, c'est pas grave, on ira en prendre. De toute façon, c'est à côté. Pour les croque-monsieur, j'ai pris des tranches de dinde, donc ça c'est important. Pour le café, cela c'est trop bon, je vous invite à aller tester, c'est le latte macchiato caramel, mais il est magnifique, bon. La boîte elle coûte un peu cher, c'est 4 euros pour 8 cafés, mais franchement c'est grave grave bon. J'étais obligée, vous savez pourquoi? Parce que Malik il m'a dit, maman s'il te plaît tu peux m'acheter ça. Donc je lui ai pris, après il m'a dit, t'es la meilleure maman du monde. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc je lui ai pris ça, même si c'est en dehors de ce que j'allais acheter, hein. De toute façon c'est pas quelque chose que j'allais acheter. J'ai pris des haricots, je crois que c'était pour faire avec des pilons au four, donc du coup pour accompagner j'ai pris des haricots verts. J'ai pris des poivrons tricolores, donc ça on en a toujours besoin dans le frigo. Moi j'adore en manger dans la salade crue ou genre avec des oignons et tout, c'est grave bon. Donc, j'ai pris des poivrons, j'ai pris du selecto. Oui, je sais, boire gazeux, mais en fait, si vous respectez, voilà, c'est comme tout. Tu peux manger du chocolat, mais faut savoir équilibrer. J'ai pris de la crème liquide et de la crème fraîche qui est là. Donc ça, les deux là, c'est pour faire la quiche sans pâte et pour faire d'autres repas, donc notamment avec des courgettes où je mets un peu de crème dedans, donc ça c'est trop bon. J'ai pris de la laitue iceberg, ça passe partout, et Malik il adore cette salade, genre c'est la seule salade de la mâche, il aime pas trop, mais celle-là avec de la vinaigrette, il adore. De la mayonnaise, j'en avais plus, mais comme il en faut toujours, surtout pour monsieur, on en achète. Des tomates cerises Azura. J'ai pris également des fromages pour comment ça s'appelle, pour les croque monsieur. Donc ça restera. J'ai pris des compotes, j'ai pris pommes pêche et pommes banane. Donc Mali, Lukman, il raffole des compotes. Genre c'est un enfant, il aime trop les compotes. Et j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris du jus, du nectar de jus multivitaminé à Auchan. Et j'ai pris ça. Je suis passée toujours devant, c'est des beignets au Kinder Bueno, genre. Donc on va voir. Bon, on va pas tout manger non plus. Il y en a combien chez vous? Je crois qu'il y en a 5. Ouais. 5 euros, ça fera le petit déjeuner de demain, le goûter de demain. Et au Pro Inter, j'ai pris ça, donc du coup j'ai pris 1 kg de viande hachée, donc notamment pour faire des lasagnes, pour faire des briques, pour faire aussi mes tacos avec la viande hachée. Et j'ai pris 2 kg de pilons de poulet. Donc ça c'est ça va être pour faire au four avec les haricots et tout. Vous entendez donc mal, ce que je vais faire c'est que je vais ranger le frigo, je vais ranger les courses et après je vous montrerai ce que j'ai acheté à Action. Et surtout je vais m'occuper de Lukman parce que là il est un peu sur les nerfs cet enfant. Donc à tout de suite. Ok, donc là on passe à la partie préférée, franchement j'aime trop faire ça. Dans mon frigo en fait moi j'ai acheté des cagettes de chez Action. J'avais pas trouvé de transparente, je viens de me rendre compte que là j'aurais pu prendre des transparentes. Et je me suis faite mes propres étiquettes avec ma Cricut. Donc si jamais ça vous intéresse, vous me dites pourquoi pas vous en faire. Là j'ai la cagette du coup fromage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les Kiri qu'on n'avait pas encore fini. C'est trop bon ces trucs là. Je vais enlever les emballages de ce que je peux enlever pour gagner le maximum de place. Et je vais ranger mes aliments. Et en fait, je vais faire ça avec tout, avec les yaourts, avec tout ce qui peut être déballé, donc les poivrons, les légumes et autres. Je vais désinfecter mon frigo et après, je vais mettre mes cagettes à l'intérieur et je vais vous montrer. Donc voilà, je vous laisse du coup voir la suite. Oh.
but nobody's listening. So I'll just hide away instead, instead, instead. Takes a whole damn hour to afford 2 gallons, and I'm not doing enough. Another day, another challenge. I woke up one day and the world was cold. Felt like I'm way too young to fill this soul. I got a hole in my heart that keeps getting bigger, so I'll try to fill it up. I root one in my liver. Keep on trying to do things that require soul. Felt like I'm way too young to fill this soul. Don't get it, and they don't give me enough credit. My friends, I'm broken. I've tried and I can't stop smoking. My fears are growing, and my learning curve is slowing. I got no friends, and I'm broken. I'm broken. Je voulais juste vous montrer rapidement ce que j'ai pris à action pour Manu. Il a l'habitude de nous prendre nos feuilles pour imprimer. Donc ce que j'ai trouvé, c'est un cahier pour qu'il puisse faire ses dessins. Et là, il y a 80 pages recto-verso. Donc du coup, ça, il pourra dessiner dedans et enfin les garder parce que les feuilles, elles volent partout dans la maison. Non, j'arrive pas à dessiner. Mais je vais t'apprendre, mon cœur. Et du coup, j'ai trouvé ces petits livres d'exercices. Donc ça, c'est à partir de 5 ans. Trop, trop bien. Et ensuite, on a le deuxième cahier. Donc là, c'est à partir de 5 ans et 6 ans. Et là, c'est un peu plus complexe, hein. C'est vraiment écrire les mots d'un bras, arbre et suivre l'écriture des lettres. J'ai pris 2 paquets de feutres parce que monsieur, les feutres, il les laisse ouverts. Franchement, ça, c'est le gros problème de Malik, c'est qu'il laisse tout traîner. Ses feutres, bon, c'est des enfants, hein. Mais surtout les feutres, il a du mal à fermer ses feutres après l'utilisation. Donc, j'ai pris 2 paquets. J'ai pris aussi un paquet entier de taille crayon. Donc, ça, c'était 1,99€ et ça, c'était 89 centimes le paquet. Et ce que j'ai pris ça parce que j'avais plus de taille crayon. Vous me suivez depuis tout à l'heure. Bon, vous allez me suivre au travail. Donc là, il est actuellement 16h20. Je ne me suis pas posée 2 secondes. Et là, je vais au travail. Du coup, on se retrouve. Là, on est quoi, 20 minutes après. Je pars déjà pour aller au travail. Parce que je commence à 17h. Donc du coup, genre depuis ce matin... Excusez-moi. Ouais, donc du coup, je vous ai quitté quoi, 20 minutes. Et en fait, j'ai juste eu le temps de ranger mon frigo, de vous faire les prises, de faire ma douche, de mettre un peu de poudre pour matifier, pour cacher la misère. Et genre là, je vais cacher au travail. Je fais 17 minuit. Je travaille avec Hugo. Je vais vous présenter un peu... mes collègues de travail, mes amis. Franchement, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que genre j'ai grave fait des efforts et tout. Genre j'ai changé des plans et tout. Et genre là je me suis pas posée 2 secondes, genre je me suis pas assise. En plus, c'est tombé, je suis en période rouge. J'ai juste envie de manger et dormir. Manger, dormir, genre. J'ai juste envie de faire ça. Mais bon. Faut ramener de la moula. En fait, vous allez voir, j'ai des collègues qui sont trop gentils. S'ils acceptent d'être dans la vidéo, bien sûr, parce que je ne vais pas filmer à leur insu. Donc la famille, je vais conduire en sécurité, d'accord, hein, c'est pas que je vous aime pas. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bisous. Oh, Daniel, qui boit toujours du... Oh, putain, il est grave sucré celui-là en plus. Non, il est pas sucré. Regardez qui j'ai retrouvé. Manassu, madame, mon bébé, ma vie, mon cœur, ma vie. Arrête tes bêtises, je l'aime trop. Merci, je t'aime, machin.
Regardez qui est venu me voir au travail. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est Linda! C'est Linda! Bon la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin. Il est actuellement dimanche. Il est minuit 30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déshabiller. Je vais prendre ma douche. Et je vais aller dormir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et on se rendez-vous la semaine prochaine. Bisous.